Je demandais à ma mère comment ça se confectionne. Et parce que je voyais mon père faire les balais quand j'étais jeune, mais je ne prêtais pas tellement attention. Et elle m'a expliqué comment les faire et surtout, elle m'a indiqué quels sont les ingrédients qu'il faut pour confectionner les balais. Je m'appelle Michael Flessel. Je suis retraité militaire et je suis arrivé ici en 2004 suite à la demande de ma mère et je confectionne des balais traditionnels en latanier. Quand je suis arrivé ici, je suis allé sur un plateau qui appartient aux ancêtres et j'ai créé un verger avec toutes sortes d'arbres fruitiers. J'ai fait monter un conteneur, j'ai créé un bungalow et une tonnelle, groupe électrogène, ce qui me permettait de passer du bon temps sur le plateau. J'ai fait plusieurs dimensions de balais jusqu'à 4 mètres et les gens choisissent en fonction de leur taille et de la hauteur de leur plafond pour enlever les toiles d'araignée. Il faut d'abord les feuilles que je récupère sur la propriété d'une dame qui est à proximité du temple adventiste de Bori. J'ai son autorisation écrite pour prendre des feuilles à volonté. Quand je fais la demande de prendre des feuilles sur sa propriété, cette dame m'a dit, OK, vous me faites un balai. Vous pouvez prendre des feuilles à volonté sur ma propriété. La feuille, une fois coupée de son arbre, doit être déposée à un endroit où il y a le moins de vent possible et posée de façon à ce que le dos soit en haut. Ensuite, les bâtons, il faut aller les chercher là où poussent des arbres qu'on appelle des tifeuilles. Le bâton par lui-même, tout en étant flexible, est particulièrement solide. Ensuite, il faut de la liane molle. C'est une liane qui pousse à certains endroits, pas partout. En fait, c'est le petit qu'on demande à la mère. Et le petit est accroché à la mère en hauteur. Le petit balai, pour épousseter, il faut compter en gros une vingtaine de minutes. Le balai pour balayer le sol, que ce soit pour le sol ou en hauteur, c'est identique. Il faut compter quand même 35 à 40 minutes. Ce qui change ou qui me plaît particulièrement, c'est la différence qu'il y a entre mes balais et ceux des autres. Je sais bien qu'il faut mettre le paquet pour que les gens soient satisfaits. Il y a d'une part la beauté du balai et ensuite il y a la solidité, la qualité des feuilles. Maintenant je suis connu à la baie. Je reste là, je persiste, je vends mes balais à cet endroit-là. Les gens passent, commandent, j'affiche mon numéro de téléphone. J'avais fait un écriteau, un petit panneau. J'avais marqué dessus la voiture balai. Alors ça amusait. Ça amusait les gens. Ils me demandaient où sont les cyclistes.